Hadès fait le ménage aux enfers. Franchement, j'ai de la peine pour Hadès, même si c'est un sale type. La nature ne l'avait pas gâté et bien qu'étant l'aîné, ses frères le considéraient comme leur cadet sous prétexte que leur père les avait recrachés avant lui. Comme si ça ne suffisait pas, quand les dieux avaient joué l'univers au dé, il avait hérité de la partie la moins attrayante, les enfers. D'un autre côté, son caractère le prédestinait à tenir compagnie aux morts. Toujours vêtu de noir, il affichait en permanence une expression lugubre. Ses cheveux retombaient devant ses yeux comme chez un personnage de manga et son visage s'était vidé de toute couleur quand il avait quitté le monde des vivants. Même si ses frères et sœurs avaient souhaité rester en contact avec lui, il n'y avait pas de wifi aux enfers et la liaison téléphonique était très mauvaise. Hadès n'avait aucune idée de ce qui se passait en surface. Il ne pouvait compter que sur les nouveaux défunts pour le tenir au courant des derniers potins. Quand ils invoquaient son nom, les anciens grecs frappaient le sol du poing pour attirer son attention. Pour quelle raison quelqu'un de saint d'esprit voudrait-il attirer l'attention d'Hadès? Là, vous m'en demandez trop. Au fil du temps, on prit l'habitude de désigner les enfers par le nom de leur souverain, histoire d'entretenir un peu plus la confusion. Pourtant, le monde souterrain existait bien avant les dieux. À l'origine, on l'appelait l'Erebe, et quand Hadès en prit la direction, il avait sérieusement besoin d'un coup de jeune. Commençons par la plomberie. Pas moins de 5 fleuves arrosent le pays des morts, et vous ne voudriez vous baigner ou même vous laver les dents dans aucun d'entre eux. Le moins dangereux est le Cocyte, le fleuve des larmes. Il serpente paisiblement à travers les rêves, offrant ses berges aux promeneurs et aux pique-niqueurs. Mais si vous vous approchez, vous entendez les cris des âmes errantes entraînées par le courant. En effet, le Cocyte est alimenté par les larmes des damnés. Sa seule proximité vous plonge dans un état dépressif. Et si vous y trempez la main, après, plus rien ne peut vous rendre le sourire. Pas même toutes les vidéos d'adorables chatons visibles sur YouTube. Le Phlégéton, le fleuve de feu, rugit à travers les cavernes souterraines, tel un torrent de pétrole enflammé. Il creuse son lit dans la roche noire, répandant une clarté sanglante et emplissant l'air de fumée, avant de se jeter dans le gouffre le plus profond du Tartare. Quand Hadès ouvrait le robinet de sa douche, les eaux brûlantes du Phlégéton se déversaient sur sa tête. Pas étonnant qu'il ait toujours été de mauvaise humeur. Le plus dingue, c'est que le Phlégéton ne vous tue pas, même si vous êtes mortel. Certes, il vous brûle autant que des piments rouges radioactifs macérés dans l'acide au point de vous faire désirer la mort, mais il garde ses victimes en vie afin qu'elles souffrent éternellement. Sympa, non? Baignant dans l'eau jusqu'au cou, les damnés sont condamnés à y bouillir jusqu'à la fin des temps. La légende prête au Phlégéton le pouvoir de consumer les péchés. Certains prétendent qu'il lui arrive de relâcher ses victimes quand celles-ci expriment des regrets sincères. Si vous souhaitez tester la validité de cette théorie, libre à vous d'y piquer une tête. Pour ma part, je préfère passer mon tour. L'Achéron, quant à lui, mérite bien son surnom de « fleuve des douleurs ». Sa source se situe dans notre monde, à proximité d'un temple de l'Épire dédié aux morts. Ça explique peut-être l'attraction qu'il exerce sur les défunts qui y déversent leurs souffrances. Après de nombreux tours et détours, il s'enfonce sous terre et se jette dans les rêbes. Là, son lit s'élargit pour former un marais noyé dans la brume. Ses eaux sombres provoquent de violentes douleurs chez quiconque a le malheur de les toucher ou simplement d'entendre leur clapotis. Plus loin, l'Achéron se divise en deux bras, le Cocyte et le Styx, qui s'écoulent en sens contraire avant de se rejoindre dans le Tartare. J'éprouve une antipathie toute particulière pour le Léthé, le fleuve de l'oubli. J'ai moi-même souffert d'amnésie, mais c'est une trop longue histoire pour que je la raconte ici. Pourtant, à première vue, il a l'air inoffensif. Imaginez, un paisible cours d'eau, d'un blanc laiteux, dont le murmure feutré pèse sur vos paupières. Il est tentant de s'y baigner, mais je vous le déconseille. Une seule goutte d'eau du Léthé efface votre mémoire à court terme. Avalez-en une gorgée ou trempez-y les pieds et vous oubliez votre nom, d'où vous venez, et même que les Red Sox de Boston ne font pas le poids face aux Yankees de New York, c'est tout dire. Pourtant, certains défunts considèrent le Léthé comme une bénédiction. Ils sont des milliers à se presser le long de ses berges pour boire son eau. En effaçant les souvenirs de leur vie passée, ils les libèrent des regrets. De temps en temps, l'un d'eux est autorisé à se réincarner. Ceux qui acceptent de tenter l'expérience doivent préalablement s'enfiler un verre de Château Léthé. En effet, qui voudrait repasser par le collège et le lycée, sachant qu'il a déjà subi cette corvée dans une vie antérieure. Les pavots poussent en quantité sur les bords du Léthé. On en extrait un suc, l'opium, qui provoque le sommeil et apaise la douleur. Répétez après moi les enfants,
La drogue, c'est mal. Cela était un message de prévention. Bref, à un endroit, son lit longe l'entrée d'une caverne. C'est là qu'habite le dieu du sommeil, Hypnos. On ne possède aucune description de l'intérieur. Les types assez idiots pour en avoir franchi le seuil se sont aussitôt endormis et on ne les a jamais revus. Enfin, le cinquième et dernier fleuve des enfers, le Styx, est probablement le plus connu. Pourtant, il attire peu les touristes. Ça tient sans doute à la signification de son nom. Qui voudrait faire du rafting sur le fleuve de la haine? Le Styx arrose les régions les plus profondes et les plus secrètes du monde souterrain. D'après la légende, il doit sa naissance à la titanide de l'eau, Tétis, et est alimenté par les sources salées qui jaillissent au fond de l'océan. Le Styx entoure l'Éreb, tel un fossé. Aussi doit-on le traverser pour pénétrer dans le royaume des morts. Certains prétendent que c'est l'Achéron qu'il faut traverser. Mais comme le Styx découle de ce dernier, je suppose que les deux propositions sont valables. Ces eaux sombres et paresseuses, toujours nimbées d'un brouillard fétide, sont particulièrement corrosives. Mélangez de l'acide sulfurique au rejet des égouts, ajoutez un soupçon de haine liquide et vous aurez une idée de la nature du Styx. Maintenant que je vous ai brossé ce tableau des enfers, vous pensez sans doute qu'il faudrait être fou pour vouloir y mettre les pieds. Pourtant, depuis que l'humanité existe, les âmes des morts semblent irrémédiablement attirées par les rêves. On a beau leur répéter que c'est une mauvaise idée, elles y vont quand même. Comme les lemmings qui se jettent du haut d'une falaise ou les touristes qui s'agglutinent sur Times Square. Le problème, c'est qu'à l'origine, il n'existait aucun moyen sûr de traverser le Styx. Pour quelques défunts qui parvenaient à nager jusqu'à la berge opposée, beaucoup se dissolvaient dans l'eau ou restaient en arrière, indiquant l'autre rive en geignant « C'est là que je veux aller !» Mais un jour, un démon ingénieux, Charon, eut une brillante idée. Les démons des anciens Grecs n'ont rien à voir avec des diablotins cornus armés de fourches. Ce sont des esprits immortels, des sortes de dieux mineurs, ayant l'apparence de monstres ou de mortels. Certains sont bénéfiques, d'autres maléfiques ou simplement indifférents. Charon était le fils de Nyx, la déesse de la nuit. La plupart du temps, il se présentait sous les traits d'un affreux vieillard vêtu de haillons, avec une barbe crasseuse et un chapeau conique. Moi, si j'avais le pouvoir de changer de forme, je choisirais plutôt de ressembler à Brad Pitt. Mais Charon se fichait de l'impression qu'il causait. À force de voir les morts se lamenter aux portes de l'Éreb, Charon eut un jour l'idée de construire un bateau pour les conduire sur l'autre rive. Bien sûr, le service n'était pas gratuit. Il acceptait les paiements en or, en argent, ainsi que la plupart des cartes de crédit. En l'absence de législation, il fixait lui-même le prix du passage. Si vous lui étiez sympathique, il vous transportait pour une poignée de pièces. Dans le cas contraire, il exigeait une fortune. Ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être inhumés avec un peu de monnaie continuaient à errer sur la berge du Styx. Certains préféraient regagner la surface pour hanter les vivants. Ceux qui parvenaient à traverser n'étaient pas tirés d'affaire pour autant. Les défunts étaient censés se répartir selon leurs actions passées. Les pires canailles étaient vouées à subir des supplices sans fin dans les champs du châtiment. A l'inverse, les âmes vertueuses gagnaient directement l'Élysée, un espèce de compromis entre le paradis, Las Vegas et Disneyland. Celles qui ne s'étaient distinguées ni en bien ni en mal, c'est-à-dire la majorité des humains, passaient l'éternité dans le pré de l'Asphodèle. Sans être particulièrement horrible, l'endroit dégageait un ennui insondable. C'est ainsi que s'opérait le tri des âmes, du moins en théorie. En effet, avant qu'Hadès ne prenne les choses en main, personne ne gouvernait les enfers. Imaginez qu'un jour, en arrivant au lycée, vous appreniez que tous vos profs sont malades et qu'on a confié la surveillance de votre classe à un assistant ignorant du règlement intérieur. Forcément, les élèves profiteraient de la situation. Eh bien, les morts n'agissaient pas autrement. Les damnés faisaient le mur, les pensionnaires du pré de l'Asphodèle s'incrustaient à l'Élysée sans que personne ne lève le petit doigt. Inversement, des défunts vertueux mais pas très futés s'égaraient en chemin. Une fois prisonniers des champs du châtiment, ils ne trouvaient pas la sortie ou étaient trop polis pour demander. Même ceux qui arrivaient à destination n'avaient pas toujours mérité leur sort. En ce temps-là, on statuait sur le devenir des âmes alors que leur propriétaire était encore en vie. Apparemment, un panel de 3 juges vous interrogeait juste avant votre mort. Comment savait-il que vous étiez sur le point de trépasser? Peut-être se fiait-il à leur intuition, à moins que les dieux ne les aient renseignés. Ou alors il s'adressait aux gens au hasard. « Et toi, viens ici, c'est ton tour de passer l'arme à gauche !» Il décidait de votre sort en se fondant sur vos réponses. Évidemment, les gens mentaient et tentaient de soudoyer les juges. Ils se présentaient devant eux dans leurs plus beaux vêtements, les flattaient et jouaient la vertu. Ils produisaient des témoins qui affirmaient «
Oh non, sans mentir, votre honneur, il n'y a pas meilleur que mon ami. Il n'a presque jamais tué ni torturé. Hein. C'est ainsi que de parfaites crapules décrochaient leurs billets pour l'Élysée, alors que des types bien allaient pourrir dans les champs du châtiment pour avoir refusé de cirer les pompes des juges. Quand Hadès a vu ce bazar, il s'est dit que ça ne pouvait pas continuer. Il s'est alors rendu sur l'Olympe pour exposer la situation à Zeus. Ça l'agaçait un peu de devoir en passer par là, mais il n'avait pas le choix. Sans le feu vert du boss, pas de réforme des enfers. Surtout que les hommes étaient concernés. En effet, les dieux considéraient l'humanité comme leur bien commun. Zeus l'écouta d'un air pensif. « Qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-il ensuite. « Eh bien, répondit Hadès, on pourrait garder le principe d'un jury, mais... Ah, le public voterait, et à la fin de la saison, le candidat ayant recueilli le plus de voix serait désigné vainqueur de la Tartare Academy. Non, pas vraiment. La nouveauté, c'est qu'en arrivant aux enfers, les morts seraient jugés par d'autres défunts, et non par des vivants. Bah, il n'y aurait pas de concours alors? Oh, c'est dommage. Hadès eut du mal à garder son calme. Si c'est moi qui contrôle les juges, expliqua-t-il, nul ne pourra les influencer. Les âmes qui comparaîtront devant eux seront réduites à leur essence. Elles ne pourront pas tirer avantage de leur physique ou produire de faux témoignages. Toutes leurs actions, bonnes ou mauvaises, seront exposées aux yeux des juges. « Ça me plaît, » approuva Zeus. « Qui vas-tu nommer à ce poste ?»« Bon, sans doute trois anciens rois, des hommes habitués à juger. »« Accordé, à condition que tu les désignes parmi mes fils. » Hadès serra les dents. Il détestait que son frère se mêle de ses affaires, mais comme la plupart des rois grecs étaient des fils de Zeus, il n'avait que l'embarras du choix. « Bon, c'est d'accord, » acquiesça-t-il. « Bien. Maintenant, comment t'assureras-tu que leur sentence soit bien appliquée ?» Hadès eut un sourire glacial. « Ne t'inquiète pas, » dit-il. « J'y ai réfléchi. » De retour dans les rêves, Hadès nomma comme juge trois anciens rois, des demi-dieux, tous fils de Zeus, Minos, Éaq et Radamante. Puis il engagea les Érinies, les déesses de la vengeance nées du sang d'Uranos, comme exécutrice. Un excellent choix. Personne n'aimerait se mettre à dos une grand-mère démoniaque dotée d'un fouet et d'une haleine à assommer un bœuf. Comme la plupart des démons, les Érinies pouvaient revêtir des formes différentes. Toutefois, le plus souvent, elles apparaissaient comme des vieilles femmes hideuses, vêtues de haillons noirs avec de longs cheveux raides et d'immenses ailes de chauve-souris. Leur fouet enflammé infligeait une douleur cuisante aux morts et aux vivants, et comme elles avaient le pouvoir de se rendre invisibles, vous ne saviez jamais quand elles allaient fondre sur vous. Avec elles, les morts filaient doux. Parfois, Hadès les laissait se déchaîner sur les damnés pour lesquels elles inventaient de nouveaux supplices. Il arrivait même qu'il les lâche sur un vivant qui avait commis un crime particulièrement grave, comme tuer un membre de sa famille, profaner un temple ou chanter du Justin Bieber lors d'une soirée karaoké. Hadès poursuivit ses aménagements en facilitant l'accès à l'Érèbe pour les âmes des morts. Il persuada Hermès, le messager des dieux, de garder un œil sur les environs du Styx. Si un défunt lui paraissait perdu, il devait le remettre sur la voie et lui offrir un plan en couleur des enfers, cadeau de l'office du tourisme. Une fois sur la berge du Styx, les morts embarquaient sur la barque de Charon. Sous la menace d'Hadès, celui-ci avait accepté d'appliquer à tous le même tarif, une pièce d'argent pour la traversée. Hadès informa également les mortels qu'ils avaient intérêt à prendre leur rite funéraire très au sérieux, sous peine de se voir refuser l'entrée des enfers. En plus des sacrifices aux dieux, la famille d'un défunt devait inhumer celui-ci selon les règles et glisser une pièce d'argent dans sa bouche pour lui permettre de payer Charon, faute de quoi il serait condamné à hanter les vivants pour l'éternité, une tâche aussi ingrate que répétitive. Pour répandre la nouvelle, il pouvait compter sur les Onéroï, des démons aux ailes noires qui visitaient les mortels dans leur sommeil, leur inspirant rêves et cauchemars. Quand vous rêvez que vous tombez dans le vide et vous réveillez en sursaut, c'est parce qu'un onéreuil vous a enlevé dans les airs avant de vous lâcher, par pure méchanceté. La prochaine fois que ça vous arrivera, frappez le sol du poing en criant « Hadès, dis à cet idiot de démon de me fiche la paix !» Normalement, ça devrait marcher. Hadès améliora ensuite la sécurité aux portes de l'Érèbe. Pour ça, il rendit visite au refuge de la SPA du Tartare, où il adopta le chien le plus énorme et le plus féroce que vous puissiez imaginer. Ce monstre, Cerbère, évoquait un croisement entre un pitbull, un rottweiler et un mammouth laineux enragé. Il possédait trois têtes, si bien qu'un héros désireux de s'introduire dans le royaume d'Hadès, ou un mort désireux de s'en échapper, avait trois fois plus de chances de se faire repérer et dévorer. En plus de ses griffes et de ses crocs aussi tranchants que des rasoirs,
La légende prête à Cerbère une crinière faite de serpents et une queue de dragon. Je ne peux pas le confirmer. La seule fois où je l'ai rencontré, il faisait sombre et j'étais trop occupée à me retenir de geindre ou de souiller mon froc pour prêter attention à ces détails. Une fois entrés, les défunts étaient triés par les trois juges. Comme je l'ai dit plus haut, la plupart ne s'étaient jamais distingués, ni en bien ni en mal. Privés de substance, ils tournoyaient sans relâche au-dessus du pré de l'asphodèle, tels des chauves-souris tentant de se rappeler qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. Un peu comme les profs pendant la première heure de cours avant qu'ils aient eu leur dose de café. Ceux qui avaient mené une existence vertueuse étaient dirigés vers l'Élysée, la région la plus accueillante de ce monde de ténèbres, où ils jouissaient de prestations haut de gamme. Belles maisons individuelles, nourriture et boissons à volonté, services irréprochables. Ils y passaient l'éternité à se prélasser en compagnie d'autres vénards. Et s'ils s'ennuyaient, ils pouvaient toujours boire l'eau du l'été et se réincarner. Certains étaient tellement bourrés de qualité qu'ils parvenaient à enchaîner trois existences vertueuses. Cela pouvait se retirer dans les îles Fortunées, à un paradis privé au cœur de l'Élysée. Les chances d'y accéder étaient aussi infimes que celles de gagner le gros lot à l'euro-million. Les criminels avaient droit au traitement habituel. Bain d'huile bouillante, course sur du verre pilé devant une meute de démons affamés, glissade le long d'une lame de rasoir géante suivie d'un plongeon dans une piscine de jus de citron. La plupart des supplices manquaient d'originalité. Mais quand Hadès avait quelqu'un dans le nez, il savait faire preuve d'imagination pour lui infliger une éternité de souffrance.